Artiste visuel. Guy qui est de Monsalvi. Je salue mon frère. Voilà, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter de l'actualité que nous avons essayé de ramasser par-ci, par-là, donc, sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler des éléments, on va parler de l'actualité qu'on a eue. On a ramassé aussi certaines vidéos sur le plan international, on va essayer de parler. Et puis on va encore parler de plus en plus de cette interview du voyou Kagame. Et on va comprendre que les actions du président Félix Tshisekedi sur le plan national à l'interne, Félix Tshisekedi a atteint sa cible. Et Kagame ne fait que démontrer cela. Alors, on va parler de Fifi Masuka. Paraît-il qu'elle a été interpellée. Elle a été interpellée par les services le samedi passé. Alors, on va essayer de ramasser des passés par là. Et puis voilà, parce que l'information majeur, c'est-à-dire ce que les Congolais attendent, la formation du gouvernement, le Premier ministre, la nomination du Premier ministre et évidemment l'offensive de FARDC, nous attendons toujours. Alors, aujourd'hui, l'émission Kenzo Mukendi, partagez, intéressez Bandeko, s'il vous plaît. Ah bon, ne vous intéressez pas, il y a un problème avec YouTube. D'ailleurs, YouTube m'avait écrit, a tiré un texte, mon gros, il y a des problèmes, il y a des perturbations. Il y a un niveau là-bas, alors bon, on a vu, vous allez perturber, même abonné, nombre abonné, vous allez perturber. Comme les gars, bon, bisous tous, ça ramène ça, bisous, pour message, bisous, il y a vulgarisation, il y a patriotisme, et kende musika. Awana, chaîne nabiso, awa, RDC ou rien, ah, ils ont pro Congo, RDC ou rien, UDPS ou rien, Fachi Béton ou rien, awa. Donc, alors, moi, ma commentaire, il y a mon frère Makobolai, je te salue. Aïebisinga, que félicitations. Nous te sommes très reconnaissants parce que vous nous éclairez à travers vos analyses. Que Dieu vous garde. Ah, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde aussi et vous bénisse. Antonomi, à Colorado, à Denver, aux États-Unis d'Amérique, je te salue. Maître Gunther, la Pesciope Mbote, Eska Bozali. Voilà. Alors, Bonsomi, Abinama, mes saluts, le grand combattant, merci beaucoup. Nani, président Desayo Mwamba, qu'est-ce qu'il dit? Pendant que les petits esprits congolais critiquent le mot magique prononcé par Fachi, par la moindre escarmouche, le concerné, Paul Kagame, avait pris ça au sérieux et il a peur. Demander à Fachi de revenir sur ses propos nous fait comprendre qu'il est frustré, qu'il pleurniche et qu'il cherche à ce que Fachi renonce à sa décision d'attaquer le Rwanda. La peur. Vous allez comprendre que Fachi a maintenu sa position. Le perturbateur qui n'est pas éternel, Fachi Mtaloba Kiyango. Un jour, il partira. Voilà. Donc, Yango de Runangai, Alobi Awa, en tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a un frère Hubert Alobi, tout jeune Congolais doit être enrôlé dans l'armée. Ça, c'est très bien, mon frère. Je te salue, mon frère, si vous allez. Alors, maman Francine Esther a encouragé l'émission. Et puis, il y a Pessi Bamboté. Alobi, mes salutations vraiment et surtout courage. Kagame est né avant la honte, c'est sanguinaire. Merci infiniment à notre courageux soldat
Kia, Dayachu, dans la CP nationale, où il y a mis son affront, où il y a Baraki, Wande, où il y a un affront. Voilà, c'est un peu ça. Bande Konangai, voilà, donc, Angela Bakaji, je te salue. Le petit Mafungu, n'a pas su mbote, c'est Gozali. Voilà, Pamphilianga, n'a pas su mbote. Nani Moussous, Awa. Jean-Matoko Alobi, la coutume n'est pas synonyme de la sorcellerie. Là, tu as raison, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Ndegomoku t'appelle le Kambouya, yaba italien. Les Italiens ont un problème qui dit la prudenza non el mei tropa. Il n'y a jamais trop de prudence. Voilà. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. Anaclé Moulaja qui dit Onana vient d'un pays où le président est vieillard et dirige le pays depuis un siècle. Il a déjà fait quoi là-bas? Il s'acharne avec la RDC. Voilà. Voilà les Congolais qui sont prudents. Toi, tu as un problème chez toi dans ton pays au Cameroun. Tu n'en parles pas. Tu n'allumes pas le feu de la révolution pour chasser les dictateurs, le dictateur, l'esclave de Français, Paul Biya. Mais tu viens conscientiser les Congolais. Congolais, pas la Mouga. C'est Moutoyo. Il a un problème. Il y a quelque chose qui se trame là-bas. Bravo les Congolais qui sont prudents. Bravo. Beloti Mavou, mon petit soeur propre, je te salue. Balakon Walobi, Kagame est protecteur de tout, tu sais bien. Et qui protège les Hutus? Président Yabololé. Yo Kamayele, Balakon. Yo Kagame, le besoin protecteur Yaba Touti. Ok, on t'accorde. C'est quoi qui protège les Hutus? Bakongola Mayele, Bazé Bélé. Alors, Robert Mukendi me dit que les marches continuent. Le samedi 23 mars, nous étions dans les rues de Verviers, en Belgique. Pas de relâche, voilà. Alors, Jean-Marie Chibangou, je salue. Vous devez savoir que Jean-Louis Chimbalanga a aussi écrit deux livres sur l'histoire de Papa Étienne Tshisekedi. La lecture est une vertu et noble. Moi, personnellement, je pense que vous deviez inciter les gens à parcourir le monde par la lecture. Tout le monde n'a pas les moyens de voyager. Oui, ben, c'est vrai, mais n'oubliez pas aussi que un livre peut abrutir des gens, peut rendre des gens des idiots. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a même des livres qui rendent des gens des extrémistes. Alors voilà, donc c'est faut faire le 50-50. Hein. Quand vous connaissez l'auteur d'un livre avec ses pensées, évidemment, n'incitez pas les gens à lire ses livres. C'est Ngwanda na Rotangani. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'il a dit de plus que nous connaissions. Jusque-là, pas de réponse. Qu'est-ce que Ngwanda, Patrick Mboko, Onana nous ont dit de plus? Pas du tout. Alors je vous donne la pessimino ma piste. Faites des recherches sur des écrits d'Étienne Tshisekedi si vous voulez connaître. Voilà. Si vous voulez vous abrutir, allez chez Ngwanda, lire les livres de Ngwanda, c'est clair. C'est un peu ça. Voilà. Alors, il y a Albert Mutoka Munda, Alobi Fachi à rendre Kagame dimanche. Bon, il y a encore un frère qui dit ceci, qui est dans la que non. Mukendi, sois humble. Tu n'as pas la sommité du savoir. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais été prétentieux, mon frère. Contredis-moi dans les faits. Alors, fais-moi au piste. Alobi Nanga, as-tu mesuré, voilà, je ne comprends pas, de nous montrer les pays que les USA, la France, ont développé depuis les relations privilégiées avec les USA, même pas un comprimé d'aspirine. Bon, voilà, on va en parler après. Luis Mwembo, je te salue. Voilà, il y a un frère qui me dit, il s'appelle Vikakasomo, il dit, comment pouvez-vous critiquer un livre que vous n'avez pas lu? Bon, mon frère, c'est simple. Si vous connaissez les pensées de l'auteur du livre, c'est clair. Moi, je n'ai jamais lu le Coran, mais je connais ce qu'il dit. Je connais quelques sourates du Coran. À l'école, par-ci, par-là, j'ai des amis musulmans. Voilà. C'est pas seulement pour connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Pas du tout. Et voilà. Donc, mon frère, si je connais déjà l'idée
d'un. Je ne lirai pas Joseph Kabila. Soit commis livre. Moi, je vais lire les livres de Joseph Kabila. Pourquoi faire? Voilà, c'est un peu ça. Alors, Jean-Louboya dit Kagame Aza na Misumabe. Mais président Félix Azalande et Kenge na ba visiteur Oyo Bazo Utali Banda pour Tisikoyo, position ya peuple Ezakaka Bongo na Bongo. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Alors, maman Marie-Jeanne Kalongi, elle dit ceci. Effet escarmouche se manifeste dans la peur palpable de Polo. Polo, il fait allusion à Kagame. Dans une interview, Jeune Afrique, Kagame, ou Kadi Moufoua, Kadi Uchidi, Uchidi Nu, ou Kadi Moufoua, Uchina Mwaku Bola. Voilà, donc il est déjà mort, à sa koufina, il est déjà mazo, mazo, Bamako Pola. Le président sud-soudanais, président en exercice de l'AAC, est porteur d'un message du monteur Kagame et ses soutiens financeurs. Baza Yako, Waza, Baraka, Bazala Kate. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Révolutionnaire Kole Mwanza, Alobi Boye, Kagame ne comprend rien jusque-là que son temps de règne a atteint à sa fin. Il s'en prend au FDLR qui sont des Bantous pour les exprimer, mais il se trompe. Fachi est très très fort juste après son premier mandat. Il arrive à faire pleurer Kagame. Voilà. Merci beaucoup. Junior, Chimps Junior, merci beaucoup. Na, commentaire na yo. Alors, vu la Mwambampoi, il s'est exprimé à l'lobby. Tant que nous avons la Fachi Béton, n'a pas chef coutumier. En fait, Félix Tshisekedi veut établir l'équilibre des forces, des esprits, de la terre, des forêts et des eaux au Congo. Parce que c'est le chef de l'État légitime, le chef de l'État élu. Yango Fachi, chef Fachi Béton, Azam Moussala, Yango. Alors, Papa Ganinda, Jean-Marie Tiba, on appelle Papa Ganinda. Papa Ganinda, audio, il a dit, voilà Kenzo, il y a un frère qui a parlé de l'Angola, il y a André Makiese Nangina, que je salue. Alors, il me dit, Albert Loubela, je te salue aussi. Alors, Alobinara, que non, à l'époque, Mobutu était avec les Américains, Savimbi avec les Américains, il combattait l'Angola, c'est-à-dire Eduardo dos Santos, qui était soutenu par les Russes. Maintenant, échangé, et comme ici que Lorenzo, l'Angola qui est avec les Américains, il combat maintenant, il est avec Kagame, les Américains, mais maintenant il combat avec la RDC. C'est-à-dire que Yamala Félix Tshisekedi doit aller chercher les Russes. Voilà, réflexion, oh, il y a ma pro-russe. Limité, hein? Très limité. Je suis désolé, Papa Ganinda. Ma réflexion n'a pas de bokeh jusqu'au goûter. Je suis très désolé. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, votre génération, c'est fini. Vous n'avez plus rien à nous démontrer. Vous avez montré vos limites. Vous avez allé au Tangi Mingi, mais Tala Niva Mboka. Le Congo. Détruit. À cause de votre génération. Voilà. Donc, mais quand tu dis, quand on se va faire, tu sais que mais l'Angola était avec les Russes. L'Angola était avec les Russes. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Angola quitte les Russes pour aller chez les Américains? Là, tu ne t'es pas posé des questions. Là, tu n'as pas réfléchi sur ça. Voilà. L'Angola, pour combattre Savimbi, était avec les Russes. Mais maintenant, pour défaire Savimbi, l'Angola s'est associé avec les Américains pour, évidemment, pour gagner la guerre, mais faire la paix. Maintenant, l'Angola est avec les Américains. Angola, sur le plan économique, dans la sous-région, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. À ça, Nicolo. Voilà. Les Américains sont des mauvais, sont des infidèles. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans ça? Ce n'est pas mon problème. Qu'ils soient un mauvais, infidèle, et taliban, moi, c'est le Congo, mon problème. Alors, moi, j'ai posé un problème. J'ai dit au président Félix Tshisekedi, ne suivez pas les pro-russes. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Ils parlent dans les stratosphères, dans les illusions. Évidemment, des illusions inutiles.
Moi, que je viens avec des faits. N'a posé pas mon question. Donnez-moi un pays développé par les Russes. Les Russes. C'est une superpuissance nucléaire qui a été déclarée après la Deuxième Guerre mondiale. C'était moi un seul pays. Moi, je ne suis pas prétentieux. Moi, je dis pas. Moi, je donne les faits. J'ai lu ça, mon frère. Je vous donne juste deux exemples. Non, pas deux exemples. Les Américains ont un État satellite côté à Russie, c'est l'Israël. Les Russes ont un État satellite à côté des Américains, c'était le Cuba. Regardez maintenant le niveau du développement des deux pays. Cuba, na Israël. Et ça, n'est rien. Il y a un peu de réfléchir. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était divisée en deux. D'ailleurs, l'Allemagne était divisée en deux parties. Et il y avait le pays de Pacte de Varsovie et le pays de l'OTAN. Dites-moi, après la chute du mur de Berlin, quelle est l'organisation qui a absorbé d'autres pays? Est-ce que Pacte de Varsovie ou bien l'OTAN? Dites-moi, on vous parlez de quoi? L'Allemagne fédérale, soutenue par des Américains, et l'Allemagne de l'Est, démocratique, c'était comment le développement, le niveau de développement, c'était comment? Voilà, vous parlez de trucs sans avoir ça, bah, débat la Kenzo Keba, y'a là, bah, élément, sans avoir élémenté, tu seras ridiculisé. Y'a moi aussi, quoi. Que je me fais d'appeler, sinon, bah, élément, beau contredire, bah, élément, Kenzo a lobby. Je vous ai dit, mais c'était un seul pays développé par les Russes, un seul. Il y en a pas, exacté. Et il n'y en aura jamais. Bah, on m'aura sous-développé. Il se recherche. Bon, voilà. Alors, on voit là, États-Unis, à la Guinée-Bissau, tout ça développement, mais c'est à cause de nous-mêmes. Mais dans le barreau chaque fois, ouais. Dans le barreau chaque fois. Voilà. Miba, j'ai Camille, ces grandes sociétés, Bangonde, Bassana, on a Congo. Après, quand on va créer tout ça indépendance, on en a créé combien? Au contraire, on a détruit. Le Zaïre, mon bout, a détruit. Ce n'est pas l'Américain qui venait te dire de faire les plantations. Ce n'est pas le Russe, le Chinois, l'Américain, le Français qui venait te dire « Va investir dans Kanyamaka, c'est... » Non, le travail, tu sais que le général Kabou qui est en train de le faire. Pas du tout. Tant que tu as le bababilo, tu vas voir ça, la limite. Alors, très rapidement, Charles Mouteba, je te salue, mon frère. La pression mot te charge à ma tété. La pression mot. Je suis tombé sur une vidéo d'un petit voyou. Un semi-lettré qui parle de bêtises. Sûrement, c'est un pro-russe. Écoutez-le. Ici, pour nous, l'occasion de saluer le courage politique du gouvernement nigérien qui a souverainement et librement décidé de mettre à la porte l'armée criminelle américaine. Pendant qu'au pays de Lumumba, nous avons un président qui mouille le maillot d'un voyage à un autre. Pour convaincre les Américains à lâcher Kagame, pour convaincre les Américains à sanctionner Paul Kagame, alors que ces Américains sont les véritables agresseurs de son pays. Quelle honte pour le pays de Lumumba, quelle humiliation pour tous ces millions de morts. Voilà, je m'arrête là, sûrement Bolanda, on a les réseaux sociaux, voilà, donc ce petit c'est un ignorant, un abruti. Pour lui, c'est le Nigérien, le président du Niger, qui a chassé les Américains. Son ignorant. Pour les initiés, les Congolais, les Noirs intelligents, ils savent que ce sont des Russes. Et là, les Russes, les Bengali, les Américains. Représailles, Moscou à feu et à sang. Poutine vient de pointer du doigt les Américains, les Ukrainiens. Et c'est vrai. C'est vrai. Et ça, bango. Évidemment, bah utiliser islamiste ISIS va utiliser bah parce que bazo combattre bah russe en Afrique, bazo combattre bah russe en Syrie et l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami. Voilà, ils ont fait une stratégie bah ça des synergies na bango pour frapper Poutine. Et Poutine a compris le message, évidemment bah congolais yo. Il a compris le message. Il sait que où qui est États-Unis, il va frapper. Alors,
guerre en tali bisoté que tout monde qui tali écoute tout le relater à Ogaga. Alors, vidéo d'un petit enfant congolais aveuglé par la propagande russe. Un ignorant de l'histoire du monde et de son pays, la RDC. C'est un petit aliéné mental et complexé qui pense que la grande révolution africaine se passe ailleurs, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, alors que la grande révolution africaine se passe dans son propre pays avec son propre président. Évidemment, comme il a des limites intellectuelles, il est aveuglé, il ne peut pas le voir. Ce semi-lettré pro-russe parle bêtement de la notion de l'autodétermination. C'est-à-dire, si vous avez une vidéo, on a souka, et ça, dans les réseaux sociaux, on a un mot bimba, c'est-à-dire, il parle de la notion de l'autodétermination d'un peuple. Mais il oublie, évidemment, il n'oublie pas, il ignore, c'est un ignorant. Pour lui, l'autodétermination d'un peuple doit passer par un dictateur. Pas du tout. Par un président qui a fait un coup d'État. Je vous ai souvent dit, si on est chef de l'État, ça dit un coup d'État, c'est un petit esprit. C'est un petit monsieur. Les grands esprits, les grands messieurs, les grands leaders ne font jamais de coup d'État. Ils prennent le pouvoir démocratiquement. Même s'il y a des tricheries, même s'il y a ceci, celui-là, Baron Bassouara a une élection. C'est la démontrabino en robe mille et une fois. C'est-à-dire, Seni Goïta, Ibrahim Traoré, président y a Niger, ce sont des petits messieurs, des petits leaders, des esclaves de Poutine, des vassaux de Poutine. Alors, ce petit ici parle de l'autodétermination d'un peuple, mais il doit savoir que cette autodétermination doit nécessairement passer par un pouvoir légitime issu des élections et non par un pouvoir issu d'un coup d'État. Pour ces nouveaux nègres de palais de Moscou, ils ne savent pas que c'est Félix qui amène la voie de l'autodétermination des Congolais. Autodétermination, c'est au Congo que nous l'observons. Ce n'est pas au Niger, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Burkina Faso, c'est au Congo en RDC. Parce que, premièrement, nous avons un président élu, légitime. Dans ces trois pays-là, ces présidents ne sont pas légitimes. Ce sont des vassaux de Poutine, des petits messieurs. Parce que le président Félix Tshisekedi est légitime et sous et sans apport d'aucune puissance. Alors, c'est la raison pour laquelle que Jomo Kenyatta dit bravo au vaillant peuple du Sénégal. Le vaillant peuple du Sénégal qui a maîtrisé l'unique voie civilisée, j'insiste, l'unique voie civilisée d'acquisition du pouvoir dans le monde, c'est-à-dire les élections et non un coup d'État. Lorsque vous voyez un peuple applaudir un coup d'État, c'est-à-dire ce peuple est un peuple abouti, un peuple dans lequel il y a la majorité des illettrés. Vous avez vu l'épisode qui s'est passé au Sénégal. Macky Sall ne voulait pas organiser les élections. Macky Sall ne voulait pas laisser le pouvoir. Mais le peuple, qu'est-ce que la coup d'État, ils sont pas allés chercher Poutine. Non. Le peuple sénégalais, ils savent que Macky Sall, c'est un vassal c'est le vassal de Macron, des Français. Ils le savent. Mais ils vont pas aller chercher Poutine. Ça va pas résoudre le problème. Ils se sont battus dans la rue. Voilà l'intelligence. C'est ça la révolution. Évidemment, beaucoup de pauvres ne peuvent pas comprendre ça. Ils comprendront pas. Et ils se disent membres de l'UDPS. Ils se disent adeptes de Tshisekedi. Vous n'avez rien compris de l'essor du Sphinx. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas saisi. Rien du tout. Quand tu vois un membre de l'UDPS qui soutient les coups d'État du Mali, ça dit qu'il n'a rien compris des leçons de Tshisekedi Donc ce sont des gens qui étaient là-bas juste des figurants. Ils n'ont rien compris. Voilà. Alors c'est ce que je dis. Bravo. Et vous avez vu, ils ont malmené, Macky Sall a malmené Sonko. Sonko l'opposition. Mais ils étaient prudents. Bah, tiens, bah, on a prison.
Mais quand ils sortent, ils ont bloqué Sonko pour qu'il ne pose pas la candidature. Bah, désigné Moutoumoussous. Hier, on a gagné l'élection. Juste, son nom, je ne sais pas, Bazo Bengue Souginani. C'est là, pour ça, Maramaba Sénégalais, Bongaï. Comme on a eu Bassirou Diomey, il a été élu président au Sénégal. Bravo les Sénégalais. Voilà un peuple intelligent. Voilà. Faut pas suivre les Maliens qui sont des illettrés. Faut pas les suivre. Voilà. Je disais tantôt, je répète, hein, bravo au peuple sénégalais qui a maîtrisé l'unique voie civilisée d'acquisition du pouvoir dans le monde. C'est-à-dire par la voie électorale, la voie démocratique, c'est-à-dire les élections. Et non par des coups d'État réservés par des peuples barbares, illettrés et esclaves. Bisso RDC, toi du colo, hein, toi du colo déjà, avec l'UDPS, toi du colo. Alors, je vous avais dit tantôt une fois, Kalala et Sarabino, que cette guerre-là de la Russie, na Ukraine, on va la transposer chez nous, en Afrique. Yangoyo, Bamindele commence à en parler. Ce qui est que je l'obaga. Alors, depuis le bain, moutan, pas à moi, ça a été. Mais bon, yoga, Bamindele, bah, moi, bah, l'obaga. Écoutez. De soldats ukrainiens face à des soldats russes, mais sur le sol africain, en clair, l'armée de Kiev envoie certains de ses meilleurs éléments pour déplacer l'offensive, pour déplacer la confrontation avec la Russie sur le sol africain. Celle qui réalise ce document. Voilà. Kenzo Mukendi vous a parlé de ça. La chaîne Oye. À plusieurs reprises. Vrai ou faux? Mais Mouta Robert, elle est sur l'Ouazate. Parce que Kenzo Mukendi était noir. Était un Africain. Était Congolais. Bah, Olanda Yote. Ce qui m'a dit là, l'obin de Baropanza. Kenzo Mukendi, le premier dans les réseaux sociaux. Je suis le premier, la première personne d'en parler. Kenzo Mukendi, je suis là. Na loba yango. Ils veulent transposer leur guerre chez nous en Afrique. Yango va comme l'obé la yango. Et Kenzo Mukendi va plus loin. Je vais plus loin. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Zelensky, l'Ukraine, veut ouvrir son ambassade à Kinshasa. Donc, on va regarder ce dossier de plus près. Tout le dossier, on a de plus près tout et tout là. Voilà. Alors, parce qu'on parle de la diplomatie, écoutons, tu mets dans la diplomatie dans la Russie, ma Russie, tout et tout là. Toyoka, le ministre des Affaires étrangères, Nabisso, c'est Kenjo Mukendi, lui, issu des officiels. Écoutons l'autre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, là, qui parle des accords, les soi-disant accords, Yaba. Oh, ma pauvre Russe, ma zone rêvée. Ah, les Congolais, ça passe. Écoutez. Non, nous n'avons jamais signé un accord avec la Russie, ni discuté avec la Russie d'une assistance militaire. C'est des ministres des Affaires étrangères qui vous parlent. Nous avons trouvé, le président Tshisekedi a trouvé un accord militaire signé par nos prédécesseurs, mais qui lui-même n'a jamais été exécuté. Nous n'avons jamais posé de pomme de l'exécution de cet accord. Je crois là aussi, c'est clair, c'est blanc comme neige. Voilà. C'est blanc comme neige. Jean-Marie Tshibangu, c'est blanc comme neige. Papa Kaninda, c'est blanc comme neige. Ma pro-russe. Fachi Béton, ne suivez jamais les pro-russes. Ils ne connaissent rien du pouvoir. Ils ne connaissent rien de la révolution. Rien du tout. Bah, et bien, le remoroté. Voilà. Donc, Yawana, question du Tumba Lobby. Alors, il nous donne même l'information. Question du Tumba nous donne l'information selon laquelle Kabila, Joseph Kabila, avait signé des accords militaires, d'assistance militaire avec la Russie. Mais, et ça les maté. Et ça les mal à monter. Et ça les mal à monter. On avait aussi appris, Mzé Laurent Désiré Kabila avait aussi demandé l'assistance de Poutine en RDC. On nous répond 25 ans après. Alors, Bandi Rounangaï, Karasiko, on est Poutine à la Mouki, que Congo est à la. Karasiko, à la Mouki. Oh, accord, accord, accord. Diag.
Vous ne savez pas lire. Vous ne savez rien lire de la diplomatie. Vous savez, vous êtes aveugle encore. Alors, ce qui vous aveugle, c'est quoi? C'est l'émotion, les sentiments. Évidemment, l'émotion de la colère, qui est légitime, hein, qui est très légitime. Hein. Moi, je vous comprends. Légitime. Alors que Djoumou Kendji a eu sentiment chez Pembeni, froidement, dans un analyser ma solo, la paix s'est fait. Voilà. Fachi Beto n'est pas avec des Russes. Toi, là, bah, Roteo. Bah, tu me souviens, bah, oh, quand tu vois l'Afrique du Sud, les BRICS. Non. Il y a des relations, bah, bien, des relations bilatérales et multilatérales. Voilà. Donc, pour moi, bah, nous sommes la diplomatie. Enfin, bon, le barbani, n'importe quoi. Les BRICS, ce n'est pas du nouveau dans le monde. Et ça va bien au Kala. Les pays non alignés. Ça existait avant. Les années 60, ça existait avant. Et Kendawad. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, ton côté Sikoyo, n'a pas mis son haut tout relevé. Avec plusieurs arrestations dans les phares d'essai, le président Félix Tshisekedi a atteint sa cible. Voilà pourquoi le voyou Kagame est dans tous ses états. Voilà, et a exprimé son désarroi lors de son interview, le dernier interview. Donc Kagame a souki na ye. Donc interview a souka oyoboto yoki Kagame a saliawa. Ça dit que Félix Tshisekedi a atteint cible na ye. Évidemment, vous savez, il y a les opérations, il y a des infiltrations. Il va faire des essais, il y a aussi la levée à moratoire. Il y a peine, il y a Dayachou. Peine, il y a Barré Batou. Il y a un Sikoyo. L'amour qui va nous. Excusez-moi, je devais vous lire un élément, s'il vous plaît. Il y a ministre Nabisso, Christophe Lutundula, qui a. Voilà. Dans une audience qu'il a eue cet après-midi avec les ambassadeurs du Canada, Norvège, Royaume-Uni et la Suisse, le gouvernement congolais désapprouve leur déclaration conjointe du 20 mars dernier sur la levée du moratoire sur la peine des morts. C'est-à-dire que la RDC, vous rappellerez, Union européenne, Basala qui déclaration la barreau contre levée à moratoire sur la peine des morts. Le ministre Nabisso, VPM, question pour tout nous là, à Koutanaki na bango, à ABC bango, que non, attention, Bokeba, Marambouane, Talibinote, vous touchez la souveraineté d'un pays. Nous sommes un État souverain, donc vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Voilà, bravo, Félix Tshisekedi, bravo, Christophe Lutundu là. Donc, moi, c'est qu'exacté. Donc, ne croyez pas que Congo Zali, les jungles, oh, beaucoup, vous dictez biso ce que vous voulez. Voilà l'autodétermination. Voilà la révolution. Voilà. Sans tambour, hein, ni trompette. Tout ça, Moussala. Il n'y a que les initiés, les Congolais intelligents, suffisamment instruits, qui vont détecter ça. Évidemment, les Congolais moins instruits vont aller voir ailleurs. Bon, au moins, là, on a un diplôme à Minène. Mais un diplôme, on les a vides dans la carte. Ce sont des cartons. Alors, je vous parlais tantôt de cette infiltration. Kagame est dans ses états. A komi go loba loba bilobe la pamba pamba. Alors, yo Kagame, o komi bilobe la, et talibisote. Paul Kagame et ses partenaires démystifiés et démantelés. Sortie médiatique poltronne. Visage de peur. Ses jours se réduisent et son ciel s'obscurcit. Son déclin arrive à grands pas. La peur a changé de camp. Voilà un Congolais qui a commenté. Et lorsque nous assistons avec des Congolais sales, des immoraux, des Congolais de mauvaise qualité, comme Jakinda là, dans l'émission Mogoboe, dans le Congo Buzz, hier, ils ont commis ça, Paul Kagame. Ils ont commis ça, Paul Kagame. Heureusement, il était entouré de Pascal Oonje et Fumutoto. Fumutoto, quand tu as dit que non, Baro Kango Lissou sous Sakana, tu seras encore arrêté une deuxième fois. Et Pascal Orange a tourné une question. Est-ce que au Rwanda, tu penses qu'il y a un Rwandais qui peut se permettre dans une télévision soutenir Félix Tshisekedi contre Kagame au Rwanda?
à Kigali. Oh, nous avons ça là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tu as vu une photo moroboye, photo en Royaume-Uni. Alors, vous allez analyser cette photo. Voilà les traîtres arrêtés dans le phare des militaires, Bon, vous allez comprendre que ce sont des militaires issus de brassage, mixage, Oyo, Bazo Bunda à l'Est. Bango Nyons tout, ils ont la même physionomie. Bazala Bilongi, Nenge Moko, Nazoumé Moko, dans la face. Boulou, Mpala Bouam Bougi. Bilongi, quand il y a Paul Kagame, Yango, Bango na Bango. Voilà. Barouande, Yango. Voilà. Voilà. Alors vous allez comprendre maintenant quand on vous dit que Kagame est en train de pleurer. Félix Tshisekedi dit, atteint sa cible. Kagame l'a dit, à le bien haut. Oh, bah, haine, bah, discours de haine contre les Tutsi au Congo. Yango, pour bazo kanga bango. Voilà. Pour ma kangi bango, bazo banga, bango barré bango, puisque plein de morts ezali, bango barré bango. Alors, yango la Kagame a peur. Alors, là, on vous a montré les Tutsi à l'époque de Félix. Bango, yon balati bilamba ya, jaune, bleu, bazo ba prisonnier, ba kangi bango. Alors, regardons maintenant les Tutsi à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. Bangoye, autour du chef de l'État. Batouti Bangwana. À l'époque de Laurent Désiré Kabila. Alors regardez maintenant les Tutsi à l'époque de Joseph Kabila. Bangoye. Très souriant, calme, apaisé. Bangoye Badoseka. Mais Soufati, Bangoye. C'est-à-dire l'opération de la désinfiltration des FARDC. Ils ont salement, calmement, petit à petit. Et Kagame en souffre déjà. En souffre déjà parce que il sent les conséquences pour Bazo Kukanga, Batunaye Oyo, Atche, Nakongo. Alors, bon, j'avais aussi, Nazogi, ma lecture, moro, y'a ma biographie, y'a ma tout yango, ah, Nazan, en gros, bon, ça sert à rien, Tina Moro, Ezananate. Alors, pourquoi Kagame est dans ces états? Kagame est dans ces états parce que, vous vous souvenez, Kagame avait dit que Félix Tshisekedi a manipulé, bah, pays Moussousou. Dans ma organisation, yango, les chefs d'État de la SADC apportent leur soutien à Kinshasa. Et l'Union africaine aussi. À Sengaki, que nous avons Bibundeli, Batine à SADC. Voilà. Donc, tu as besoin de la diplomatie à distance à Fati Beton, ils ont marché, yo, aux Angoboya, yango. Alors, Kagame Yemora Lobi, à Lobi, Kagame Yemora Lobi, je ne rencontrerai pas le président Félix Tshisekedi tant qu'il ne reviendra pas sur ses déclarations à propos d'une attaque contre le Rwanda et de la nécessité d'un changement de régime, comme il en a parlé publiquement. Ça, c'est pas la peur. On est au Bangate. Alors, Félix Tshisekedi n'a pas reculé. Il n'a pas changé. Ses propos sont restés intacts. Et il a redit ça hier, devant le président, il y a communauté d'Afrique de l'Est, président, il y a Sud-Soudan, l'envoyé de Kagame. Félix Tshisekedi a ébissié que non, Kagame, c'est un perturbateur. Son régime n'est pas éternel. Il va tomber d'une manière ou d'une autre. Et notre peuple retrouvera la paix. En fait, il disait nos peuples, c'est-à-dire le peuple rwandais et le peuple congolais vont retrouver la paix. Voilà, c'est un peu ça. Oyo, Tokiko Loba, Bandegunangai. Alors, que je dois réfléchir maintenant. Je vous ai montré des images des militaires arrêtés au front. Bon, ici de brassage et de mixage. Alors, pourquoi dans cette guerre, nous sommes en guerre contre le Rwanda, mais pourquoi le président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi, le président de la République, FARDC, envoie des Tutsis au front? Vous vous posez question, Anna? Est-ce que c'est un problème de lâcheté? Est-ce que nous sommes lâches pour les autres n'agabat tout china? Bah que nous bouna, pourquoi d'autres n'agabat tout china? Premier élément, deuxième élément, où c'est stratégique? C'est stratégique. Où c'est stratégique? Peut-être c'est stratégique. Stratégie de la désinfiltration pour mieux les exterminer. Voilà. Bah j'y bang, ah, bien le voyage na Congo, bon, il va congoler, ok. Bon, quand t'as dit brassage, mixage, ok, c'est bon, allez au front. Du jeu. Oh, va coquiter ton kangi bango. Mon stratégie,
Ça m'a quelé là, ça m'a quelé là. Toujours éliminer Bango, moko, 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 moko. Ça m'a quelé là. Et à comprendre que nous, et comme il tombe entre les Bantous et les Tutsis. Voilà, Toroboudan Nengwana, les Bantous, Bissonioso, Burundi, FDLR, FDLR, FARDC, Torotira FDLR, Bangara Dabiso, FARDC, SADEC, Babantou, contre Yetouti. Voilà, Toro gagné Guerwana. Alors, Fifi Masuka, Fifi Masuka, Torogi, ah, Fifi Masuka, Ayogi Moto. Je venais de parler de Fifi Masuka il n'y a pas longtemps. Yango yawa. Voulant retourner en Colombie ce samedi dernier, Fifi Masuka a été débarqué et interdite de quitter Kinshasa par le service de sécurité, laissant sa délégation regagner Colombie sans elle. Cher Lualabé, sachez que Fifi Masuka est déjà prisonnière à ciel ouvert à Kinshasa. Qui aurait cru? C'est le tour du canard d'être consommé. Le Lualaba envoie d'être délivré de la malédiction. Elle serait auditionnée concernant la récolte de plusieurs millions de dollars dans les entreprises concernant la campagne électorale du chef de l'État. Somme qui s'est volatilisée. Le dossier de 20 000 dollars comme avance aux députés pour lui accorder des voix. Donc, Bazoko a accusé que la campagne électorale a Kenegiko rançonné ma compagnie et belé a eu ba million pour avancer la campagne électorale à chef de l'État. Ba monate mbongo o ya mimaki. Alors, et puis, a fouti 20 000 dollars à chaque député. Ba information oye, ba bloqué. Ba si ba yese ki bango déjà, ba yese ki bango. Attention! Bato ba oluka ba corrompre ba député provinciaux seront arrêtés. Si vous ba kangiye, elle se croyait humanisée. Elle a cru dompter Fachi Béton. Mais Fachi Béton est indomptable. Vous devez le savoir. Attends, au bête le maboko. Fachi Béton, tu as au bête le coup de maboko. Ne keba. Keba. Tant que Fachi Béton, au bête le maboko, azo se ki sa yo. Keba. Et si elle d'abord frappé ou yangwana. Alors, biso batali de peste au sepeli. Alors, tu éviter comment ça va aboutir. Voilà. Peut-être, Balingi va démontrer keba. Keba. C'est lui de peste qui est aux commandes. Keba. Soro Sakani, on peut te faire ça. Donc, kiti sa ambition na yo. Soit c'est une manière de démontrer à Fifi Masuka de laisser ses ambitions au hasard on a mutunaye atika yango soit bon basu nga ba recadrer soit ba okangaye voilà donc Masolo isali grave alors ton aussi c'est monsieur Siri mais mbangu le grand philosophe Dou Edou m'a envoyé une vidéo il y a Fimoro Kulu. Manda au vendu wapi? Je vais la vider. 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 Baza di souza mi balite, ba komi kaka, na ya basi. Ba koulou na basi ba royo yo. Bou moni ke, dossier ya pen ya dayachou, isa très important. Très important. Donc ba kanyo, osa traître. Ba bare yo, koulou na, ba bare yo. Et monsieur Siri, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Fétis Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukendji, ba 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 ba.